Salut à tous, on se retrouve pour la suite du Let's Play d'Uncharted 2 sur PlayStation 4. Merci pour votre fidélité, j'espère que vous passez un bon moment devant chacune des vidéos de ce Let's Play et que vous vous remémorez des passages du jeu qui sont vraiment sympas et que peut-être que ça va finir par vous donner envie de vous refaire le jeu, hein, qui sait. Alors, nous sommes donc au chapitre 12, un train à prendre. Alors, niveau histoire, Chloé s'est faite capturer, plus ou moins volontairement, et Nathan a proposé d'aller la délivrer, donc Elena le suit. Donc là, c'est pas un passage difficile. Ils sont combien? Ils sont 5. Le plus. Wow. Le plus difficile là. Je pense que c'est le Golgoth. Qu'il faut pas prendre à la légère. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Allez, tourne-toi, toi. Bon, si tu ne tournes pas. Bon, le fait de l'avoir pris par surprise nous permet de récupérer une grenade que nous n'aurions pas pu récupérer. Hop. Viens là, toi. Voilà, bon. Deuxième grenade. Il est temps de les utiliser. Hop. Alors logiquement, ils sont pas censés savoir d'où ça vient. Hein. Ça me fait rire parce qu'ils vont. Ils vont là-bas comme si c'était. Grenade! Attention! C'est fini. Comme si la grenade elle avait poussé du sol. Voilà, ils sont tous morts. Alors, hop. On va prendre un peu des munitions. Ouais, bon. Drake qui n'hésite pas non plus à dire t'as vu, c'est à moi tout seul, j'ai réussi à tous les éliminer. Je pense que ce qui fait la beauté aussi de cette saga, c'est les répliques des personnages, enfin surtout de Nathan, hein, parce que c'est lui qu'on suit le plus souvent. Voilà ce que j'ai trouvé. Hop là. Alors. Je crois que c'est fermé, non? Et voilà. Ouais, je me rappelle. Qu'est-ce qu'il y a? C'est fermé? Oh, c'est coincé. C'est quoi? Je crois que c'est bloqué de l'autre côté. Ah, c'est vrai que les répliques de ce jeu, c'est vraiment ce qui fait le cœur du jeu. D'ailleurs, j'espère que quand ils vont faire le film, ils vont. Ils vont. Bien comprendre le. Le délire des Uncharted. Faut pas que ce soit un jeu de. Un film où il y a que des tirs ou quoi. Faut qu'il y ait cet humour un peu dans les situations un peu critiques. C'est un peu ce qu'il y a aussi dans les Die Hard. Enfin, notamment dans le premier, quoi. Oula. Alors, on va essayer de survivre avant tout. Il est pas mort? T'es solide, toi. Saleté. Kenny, je crois qu'il en reste plus. Oh non. Ah si, les derniers. Ouais, hop. Voilà, c'est bon. Ça, je m'en souviens. Voilà, par contre, il y a du monde. Je t'ai couvert dans ce coin. Ah, bien. Merci, Léna. Les derniers.
Mais oh, c'est qu'il veut pas mourir celui-là. Ah bah putain. Tiens, utilise ça. Allez. Alors, on remonte. Hop. Allez. C'est parti. Voilà. Ah, pas mal pour un modèle de l'année dernière. J'attendais pour utiliser ça. Toc. Allez, c'est bon. Bon. Pas de grosses difficultés, juste le truc des pancartes où il faut céder. Là, on va avoir un peu plus de soucis. Alors, t'as un plan B ? J'y réfléchis. Elle est là. Flynn la retient. T'hésites ? Non. Ok. Ils vont bientôt prendre la route. Alors il faut faire vite. Bon, je vais y aller seul. Non, Nate. Attends une seconde. Écoute, écoute. T'écoutes jamais. Entre-temps, tu vas aller là-bas. Tu vas nous dégoter un de ces... 4-4. 4-4. Mmh. Tu vas être le chauffeur. J'entre, j'attrape Chloé, et là, toi, tu débarques. Et on se fait la malle. Exactement. Ok, c'est bon. C'est clair ? Bah oui. Go ! Bon. Ah, un plan parfaitement huilé. Ouais. Allez, attention. Parfait. Allez alors. Hop. Évidemment, le mieux serait de faire une entrée plutôt discrète. Mais va-t-on réussir ? C'est un passage du jeu que je me souviens bien. Alors, je m'en souviens parce que le passage qui est juste après, j'avais galéré pour le faire en mode extrême. Alors là, il faut juste que je retrouve. Voilà le train. Comment je vais descendre ? Il faut que je retrouve le bon chemin là. Ouais, ça doit être là. Ouais, le passage en extrême qui va. Bon, là on est en mode normal, hein, on le fait en mode détente, mais je vous dis, c'est tendu. Mais bon, j'aime bien quand c'est tendu aussi. Hein. C'est pour ça que le mode extrême, c'est vrai que c'est chaud, mais ah, c'est. Ça peut être sympa aussi. Discret. J'espère qu'ils m'ont pas entendu. Ça va pas vraiment attirer l'attention. Allez, alors là, c'est là que ça va être chaud. Oh là. Salopard, vous allez me faire rater mon train. Oh là 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 là. Alors là, le sniper, il faut s'en occuper. Eh merde, directement. Voilà. Recharge. Il faut être à l'affût de tous les côtés. On regarde de l'autre côté pour mon RS. Ok. Ouais, je me suis pas relevé parce que il suffit que je me lève pour que. Oh, lui c'est bon. C'est bon. Parfait. Alors évidemment. Ah bah s'il s'entretue en... c'est encore mieux. Bon. Oh, lui il est pas dangereux. Ah ouais, eux ils le sont par contre. Oh là. J'imagine que ça pourrait pas être pire.
Oh putain. Manquait plus que ça. Maman ours. Le train, Chloé, et Elena est introuvable. Et maintenant, c'est de nous tomber. Ouf, Elena arrive. Je veux dire que. Que j'ai réussi. T'as un plan C? Ouais, accélère. Quoi? Je vais prendre ce train. Mais t'es malade? Rapproche-moi que je puisse sauter. Ça répond à ma question. Mets les gaz! Sortir de ce train en marche? J'y ai pas encore réfléchi. Bien sûr que non. Ok. Ok, c'est bon. Une minute. Ça y est, presque. Il faut. Maintenant! Zop! Putain, si c'est pas un bon jeu, je sais pas ce qu'il vous faut. Alors, chapitre 13, locomotion. C'est un chapitre qui n'est vraiment pas évident, parce que vous avez plusieurs pièges tout le long du parcours. Mais une chose est sûre, c'est que, putain, c'est encore un magnifique chapitre. Déjà par sa réalisation. Après, bon, les graphismes... Je vous en parle même plus tellement ils sont beaux. Hein. N'oublions pas que nous sommes sur PS3. Alors certes c'est une remasterisation mais c'est juste un lissage quoi. Alors donc nous allons devoir avancer petit à petit sur le train à la recherche de Chloé. Sniper 6 balles. Non, on prend la mitraillette. Alors évidemment, il y a des trésors qui sont un peu planqués de partout, mais on va pas se prendre la tête comme d'habitude. Hop, on brise 2-3 nuques. Ah, oh là, le M4. Ah, alors si vous voyez le M4, c'est que là, on commence vraiment à progresser dans le jeu. Je vous laisse voir le paysage. Ouais, c'est pas encore le meilleur. Ah ben, bientôt. On va avoir l'eau. Voilà. Ah, c'est sympa. Bon, enfin. Ça continue. Je vais rester là à regarder le paysage. Alors, il se tourne. Il se tourne. Bon, il y a son pote qui va me voir, mais c'est pas grave. De toute façon, je comptais pas faire tout le train. Désolé, sans me faire voir. Je devais contrôler vos billets. Ah. Hop. Bon. Oula. Alors. Si on vous montre un gars venir des fenêtres, c'est pour en fait vous faire comprendre que vous pouvez passer par la fenêtre. Voilà. C'est habilement expliqué, on va dire. Ou montré. Allez, poursuivons, sinon la vidéo va être longue. Et vous allez vous ennuyer. Alors là, il est adossé à gauche. Oh là 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 là. Hop. Mais ce. C'est pas vrai ça. Donc le mieux, c'est de faire ça. Hop. Voilà. Il devrait être reconnaissant parce que je lui ai peut-être sauvé la vie.
comparé à ses potes. Oh putain, ah ouais. Bon. Alors, je me suis fait surprendre parce que j'avais complètement oublié. La présence de la mitrailleuse. Je tire dans les maisons. Wow. Alors là, la technique, c'est de... sortir. Et de faire le tour. C'est chaud. Alors ça, nouveau mécanisme de gameplay. Sorte de panneau. Je sais pas trop ce que c'est en fait. Croyez-moi, vaut mieux les éviter. Mais qui c'est qui me tire dessus? Il y a encore un des mecs. Oh, putain. Ah ouais, d'accord. Attention! Au revoir. Bonne nuit, les gars. Bonne nuit. Allez. Vous allez me dire, je suis un peu fou de te jeter comme ça. Bah, normalement, il est censé s'accrocher. Bah, s'il s'accroche pas, on le verra de suite. Ouais, des fois, dès qu'on s'approche trop, oh là là là, je suis pas bien là. Ah ouais. Ah, je croyais qu'il était en l'air, ils l'ont mis à droite, c'est moins des enfoirés. Mais bon, c'est pas grave. Je dis, hein, on peut mourir pour un oui, pour un non. Ça que... Ah bah. C'est tendu, mais ça va. Bah, ça, c'est le genre de choses que. Enfin, de passage que dès que vous perdez une fois, parce que vous êtes fait surprendre par un piège, on va dire, quand vous le refaites après. C'est bon quoi. C'est pas vrai ça. Oh le mec quoi. Ah, il est pas con celui-là. Bah moi non plus je suis pas con. Alors, toc. Hop. Oh là là, c'est vrai, j'avais oublié. Alors là, c'est vraiment pas un passage facile, hein. On va essayer de faire de son mieux pour en mourir le moins possible. Si vous êtes trop long, bah vous prenez les missiles. Vous voyez pas l'hélico? J'ai déjà assez de problèmes comme ça.
Moi non plus. Ouf. Oh non. Oh non. Oh, vous êtes des enfoirés. Hein. Oh putain. J'ai même pas eu le temps de monter que... Encore, il m'a remis au checkpoint. Hein. Faudrait songer à se calmer. Je suis obligé de progresser là parce que sinon il va me balancer un missile et je vais mourir. Pour ça que... Vous voyez, de ce genre là. Bon. Il va pas falloir le manquer. Quoi, je l'ai raté? Non, c'est pas possible. Il passe à travers le missile. Oh là 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 là, accélère, 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 accélère. Bon, j'ai plus de mitraillette. Hein. Ouf. Ouf. J'adore les tunnels. Chapitre 14. Vision du tunnel. Allez, bon, on continue. Hein. On va essayer de finir le train. Mais bon, vous imaginez bien que ça n'est pas fini de l'avion. Oula, alors lui, pas entendre. Allez, on va en bas. Pas un trésor. Allez, hop. Alors, il me paraissait un peu loin pour les avoir au sniper, hein, mais bon. Ouais. Ouais, ça bouge trop. Ben, venez. Ah ouais, il y a un M4 là. Ils sont plutôt énervés. Hein. Vaut mieux les calmer. M4. Putain, j'ai. Oh là 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 là. J'avais oublié que maintenant. C'était sur les côtés. Oh, oh putain, quelle horreur. En fait, c'est pas dur. Mais si vous manquez une fois, vous perdez. Oh putain de lui. Bon. J'ai tout fait pour pas me prendre le truc. Plus j'y ai un. Dès que vous perdez, vous savez
en général ce qui s'est passé. Et vous pouvez essayer de vous améliorer. De toute façon, passer cet endroit sans mourir, faut vraiment être bon. Et surtout avoir fait le jeu récemment pour se souvenir de tous les pièges qu'on nous réserve. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est mieux si tu vises devant. D'accord. Deuxième tentative, allez. Hop, 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 le bras droit. Chopez-le ! Allez-y ! Flinguez-le ! Oh là 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 là. Voilà. Alors là, en mode extrême, j'étais reparti tout en arrière. Hein. Maintenant, on a droit à la neige. C'est sympa. Ah, il peut pas s'accrocher en fait. Ok, il peut sûrement sur un côté. Voilà. Bon, pendant qu'il avance, nous on regarde. Ah, c'est magnifique. Et puis on comprend de plus en plus pourquoi dans la présentation Nathan est dans la neige. Putain, lui, dès qu'il tire, il est sûr de m'avoir. Ouais, bon. Bon, un trésor. On va le prendre après. Alors, il est où? Il est. Je sais pas où il est. Et ça, c'est encore un coup de... pour mourir à la con, vous allez voir. Allez, on va tenter. Hein. Je sais pas, c'est où ce con. Bon, ok. Ah, il est là. Putain, mais... Ouf. Ouf. Oh, je l'ai vu monter. C'est le diable. Hein. Vous savez qu'une balle, il vous tue. Hein. Alors. Encore. Oh, j'aurais dû garder la grenade pour lui là. Heureusement j'en ai une autre. Alors. Oh là là là. On va être patient. Oh putain. Bon. Alors, on va essayer de le tuer cette fois-ci. C'est bon. Bon, lui, il est pas dangereux. Oh, en plus, il m'a bien aidé à... avec sa grenade. Allez, hop.
vérité, c'est clair que c'est le train le plus long du monde. Ah ouais, je crois que... Enfin, lui, je crois qu'il faut tirer. Sur les protections, là. Voilà. Alors. Encore une fois, il faut tracer. Sinon, vous risquez de vous prendre deux missiles. Comment je suis censé descendre? Ah! Combattons le feu par le feu! Allez. C'est bien imprudent de leur part de l'avoir laissé sans garde. Ah oui, c'est vrai, il faut détruire les missiles. C'est bon. Surtout, privilégier les missiles. Sinon, ça risque de vous coûter très cher. C'est bon. Ouf. Bon, petit passage sympa, pas difficile. Fais bon voyage, crétin ! T'es où élu, oh, pas dans la cinématique. Merde. Je suis obligé d'inventer, je voulais dire. Mais ça va, petit à petit mes réflexes reviennent. Même si des fois, c'est plus de la chance que... Non mais là, ce que j'ai fait, c'est fait exprès, hein, mais bon. Restons. Sur nos gardes. Ah ouais, alors lui, ça va être chaud. Maintenant, j'ai plus qu'à te buter. Alors de mémoire, je crois qu'il faut le frapper au point. Allez, quand faut y aller. Je me rappelle plus. Pourquoi tu... Putain. Caméra là-haut, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Putain, je me rappelle plus du tout comment on le tue. Ouais.
Oui. On pourrait pas y aller de toute façon. Trop dangereux. Ok. Ouais, mais la caméra, franchement, elle m'aide pas. Hein. C'est horrible. Hein. Allez, deuxième tentative. Bon, si j'ai fait tomber le casque, c'est que déjà. Bon. C'est à moi, crétin. Ok. Tu m'as encore sauvé. Tu vas bien? Descends du train, Nate. Qu'est-ce que tu racontes? T'as une idée de ce que j'ai subi? Je t'ai jamais demandé de jouer les héros à deux balles. Chloé, allez, c'est vraiment pas le moment. T'as raison. Alors descends de ce train avant qu'il soit trop tard. Et je te laisse avec eux. Tu as fait ton choix. Qu'est-ce que tu espérais que je fasse? J'espérais que tu me couvrirais. C'est ce que j'ai fait. Comment t'aurais pu avec les deux autres sur le dos? Bah bonne chance avec Flynn. Les deux font la paire. Enfin, j'arrive pas. Non. Tu sais jamais quand t'arrêter, pas vrai? Quoi? Pas de petites remarques? T'as plus rien à dire? Harry, non. Non! Non, non, lâche-moi! Arrête! Laisse-le partir! Ah! Ne le laissez pas s'enfuir! Et donc, nous nous retrouvons là au tout début. Hein. Allez, on va le faire aussi ce chapitre. Allez, sois héros. Sauf Chloé. Génial. Ça craint. Bon, je suis mort quelques fois dans le train, mais faut avouer quand même que c'était pas évident. Surtout. Quand ça fait très longtemps qu'on a pu faire le jeu. Ce serait plus simple d'abandonner. Grimpo. Je trouve qu'ils ont une super idée de... On peut faire une pause. De nous faire commencer entre guillemets par par le milieu, puis nous dire en gros comment on a pu en arriver là, et enfin bah, retrouver donc ce fameux passage
qui est le présent en fait. Pour terminer le jeu. Voilà. Merde. Alors, hop. C'est bon. Espérons que ça tienne. Allez. Le fait qu'il soit blessé, ça rend fou. Donc là c'est bien parce que on n'a pas retraversé ce qu'on a fait dans le premier chapitre. On se retrouve directement à la scène cinématique. Alors ça aussi, c'est un chapitre du jeu que j'aime bien. Dispersez-vous ! Parce que, contrairement aux autres chapitres, celui-ci, vous pouvez quasiment éliminer tous les ennemis sans jamais vous faire repérer. Alors, je pense pas y arriver là, hein, mais... Mais, c'est faisable, c'est possible. Je l'ai déjà réussi, il me semble, une fois. Allez, on va essayer en tout cas d'en éliminer le plus possible comme ça. Alors... RS. D'accord, là il y en a deux. Mais c'est bien parce qu'ils les font bouger, ils les font pas rester statiques, complètement impossible à surprendre. Y aller à la bourrée, mais j'ai envie de me faire plaisir. Alors, il m'a vu, il m'a pas vu. Ouais, entre les deux, il soupçonne quelque chose. Allez, nickel. Ça fait 4. Oh, je sais pas combien il y en a, mais... On va voir jusqu'à combien
J'arrive à en éliminer avant de me faire repérer. Alors, il y en a un autre qui doit être habillé tout en noir puisqu'ils étaient deux tout à l'heure au centre. Ah, j'en vois un là-bas. Ah non, d'accord, il y en a encore un là-bas. Oula. Eh merde, putain. Bon bah. Dommage. Mais bon, d'un côté, c'est pas plus mal. Au moins, on va s'amuser. Alors la meilleure technique en extrême, c'est se mettre à un endroit où on peut, où normalement les ennemis ne peuvent pas arriver par derrière. Et après, bah, à vous de bien viser. Alors soit vous essayez de les surprendre, soit vous les éliminez. Ils sont 4 ou 5, ça devrait le faire. Vous voyez qu'en normal, les balles font énormément de dégâts. Alors, je vous dis pas en extrême. Plus on est de fou, plus on rit. Troisième vague. Je sais pas ce que j'ai fait, mais. Ah, c'est la grenade que je voulais. Bon, je sais pas si je l'ai prise. Alors, est-ce qu'on me voit ou il tire au hasard? Voilà. Alors. Putain, il est mal visé. Tu vas mourir, ouais. Oh, hop. Merde. Ah. Il en a encore un. Bon, alors lui, il était suicidaire. Fini? Non. Il est encore là-bas. Allons-y. Ah, c'est deux Golgoths là. Oh putain, il y en a un troisième là-bas. Hop là. Oh merde. Encore ? Arrête de dire ça, Drake. Ah ouais, c'est encore un Golgoth. Je comprends. Donc tu as raison, ouais. Oh merde.
Alors là, normalement, il devrait sentir la blessure. Merde. Ça y est. S'il sent la blessure, c'est que c'est fini. Allez, alors. Pas la peine de prendre des munitions, hein. De mémoire, on va tout perdre. Voilà. Un bon petit chapitre. Emma, quand la sage t'a dit que tu étais là, tu as dit que tu Qu'est-ce que je fais là? Tu as dit que 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 tu as dit Ça fait combien de temps? Ya, Tom, Tom. Merci. Non, c'est trop. Je suis désolé, je comprends pas. Quoi? Ya lang. Hein? Merci. Ya, tu as des voix imbé. Yeah, sure. Shepherd Karan Gu Desha. Sure. Karan Yam Dekeshi Gu Desha. Mais où on est là? Sure. Yen Yam Desha. Chapitre 16, où suis-je? Bon, une des rares langues que Drake ne parle pas, le tibétain. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là. Hein. On a commencé et on a fini le passage du train. Très très bon chapitre, vraiment. Peut-être un de mes chapitres préférés de toute la saga. Peut-être pas le chapitre préféré, mais il fait partie au moins de mon top 5. Hein. Peut-être même de mon top 3. J'espère que ça vous a plu. Bon, je suis mort à quelques reprises, hein. Malheureusement. J'ai fait de mon mieux, mais on ne peut pas empêcher certains passages de nous coûter la vie. N'hésitez pas à vous manifester, à laisser des commentaires, à me dire un petit peu ce que vous avez pensé. Et surtout, faites-vous plaisir. Si vous avez envie de refaire ce jeu, refaites-le, vous allez voir, c'est que du bonheur. Sur ces belles paroles, je ne fais pas durer la vidéo plus longtemps. On se retrouve la semaine prochaine. J'en vois deux qui sont devant moi, là, qui sont très impatients. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Merci encore. Ciao, ciao.